Hello tout le monde, c'est Pika, comment ça va? Moi ça va nickel comme d'hab. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mode qui a l'air d'un petit fauteuil roulant, un fauteuil roulant électrique. Vous savez, ça ressemble un peu comme dans les supermarchés, les petits genre scooters électriques. Quand vous faites vos courses, ben voilà, c'est à peu près pareil, sauf que ça vole et tout, c'est votre poids. N'oubliez pas de laisser un maximum de likes pour cette vidéo, ça me ferait super plaisir, comme d'hab les mecs. Et voilà, donc je vous présente ce mode, à de suite. Laissez-moi hurler, attention, je fais mes courses, levez-vous, laissez passer, je recule, angle mort, bâtard, attention, hop, allez, on braque et on accélère à fond, le fauteuil roulant un petit peu, allez, vas-y, Bobu, allez, Alors pour ce motojet les amis, donc oui, il s'appelle comme ça le motojet, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Alors je trouve vraiment super bien fait, super bien détaillé pour ce petit truc compact et tout. Donc ça remplace l'Hydra dans GTA V, donc voilà, hein, ça vole comme un Hydra. Moi je l'ai fait voler à ras de terre pour faire un petit style de fauteuil roulant et tout. Donc voilà, moi je trouve qu'il est vraiment super beau, super stylé. Franchement, c'est maniable et tout, c'est fun, c'est drôle. Ça rajoute un petit véhicule en plus sur GTA qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc voilà, ça peut faire penser à un petit scooter volant, à un jet ski volant, à je ne sais quoi volant, voilà. Donc ce qui est bizarre aussi, c'est que la ceinture vole quand on n'est pas dedans, et quand on n'est pas dedans, ben, y a quand même une lumière jaune au sol et tout. Enfin, c'est un peu chelou, mais c'est quand même bien pour ce que c'est. Je vais pas me plaindre, donc voilà. Donc les liens de téléchargement sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un nouveau mode. Ouais, pour un nouveau mode, peace tout le monde.